Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans De l'autre côté du miroir, l'envers du décor. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 37, au détour du chemin. Il y a mon pote à tête taillée au couteau qui passe régulièrement me voir, au moins une fois par semaine, pour me ravitailler avec 10 grammes de shit super bon. Et comme lui, il a une maladie orpheline et qu'il n'a pas de défense immunitaire, il a intérêt à être bon. Surtout que lui, il met environ 1 gramme par joint. C'est marrant qu'il m'aime bien et c'est très appréciable de se sentir respecté par un mec qui a fait la légion et avec qui il n'y a pas la moindre ambiguïté d'ordre sexuel. Il croit vachement à mon projet de machin à laver le karma et comprend tout à fait que j'ai décidé que ce serait mon grand œuvre, peu importe le temps que ça prendra, mais je finirai par y arriver. Alors il a l'idée de me présenter un mec qu'il connaît qui fait du son car j'ai besoin de presque une heure d'habillage sonore comprenant quatre chansons dont trois en anglais. J'ai bossé un temps avec un mec un peu geek très sympa qui habitait pas très loin. On se voyait régulièrement et on a avancé quelques trucs mais bon il a quitté Toulouse. Alors je suis de retour à la case départ. Sur ce point-là. Tous ceux un peu pro à qui je parle, j'en parle, ils veulent pas bosser, euh, pas payer. Mais moi, je ne suis pas un commanditaire et je veux que le mec soit vraiment motivé par le projet, euh, au moins sur un plan spirituel, car c'est un peu mystique quand même sur le fond. Il y a ma copine super Bombasse qui s'installe à Toulouse. On fait pas mal la fête toutes les deux. Et je lui présente toutes mes amies et mes potes. Certains soirs, à nous deux ou nous trois avec ma copine qui habite rue Palapras, près de chez moi, on se retrouve au fil au char et on, et on le retourne. Et nous, on, on, se roule, on se roule des galoches entre nous nos décolletés en avant, façon, on préfère faire ça entre nous. Alors, euh, comme je me suis réconciliée avec l'amant de passage, on est toute une bande à se retrouver là-bas, à l'apéro, pour le cocher du soleil, dans l'axe derrière l'hôtel Dieu. C'est plein feu, et puis il y a les kawettes, les olives et la piawa. C'est souvent que j'ai pas mangé quand on attaque l'apéro, excepté euh, des joints et, et la, de la chicorée. En plus, j'ai réussi à ce qu'ils me servent mon cocktail à moi que j'ai inventé dans mon adolescence à Albi. Euh, le j'accélère. Un demi sirop de kiwi et une dose de tequila. Bon, maintenant, il y a le patron qui a donné euh, pour instruction au serveur. À tous les serveurs de ne, de ne pas m'en servir plus de deux. C'est vrai qu'avec deux, ça fait beaucoup sourire. Hein. Alors, serait-ce euh, euh, que la dernière fois, je l'ai pris en pinte hein, ou à cause du soir où toute la bande était sous poppers Malgré tout, euh, même si c'est un peu chiant que je ne puisse plus en consommer plus de deux. Je trouve ça super responsable de la part du patron de se préoccuper de l'état dans lequel je pars de son bar. Avec une autre copine, une dizaine d'années de plus que moi, on se prend une cuite monumentale au Tex-Mex. On a bu deux pichets pour huit de margarita frozen. Donc euh, autre que à deux, on a bu pour 16 personnes, chacune on a bu pour huit. Aux Tex-Mex, euh, ils n'ont pas l'air de se soucier beaucoup de dans quel état on repart de chez eux. Alors que quand finalement je bois le fond de pichet de trop et ou qu'au point où j'en étais, j'aurais mieux fait de ne pas manger, mon grand truc là-bas, c'est vomir dans le pichet ou dans un verre si le pichet n'est pas terminé. Et ça, je ne sais pas si le portier à face de peau de vache m'a vu faire, mais il m'a foutu tricarde, le con. Alors que je suis resté propre, et c'est plus safe que de tenter une avancée vers les toilettes. Bon, outre le mal de crâne et les vertiges le lendemain, les dernières heures de la soirée systématiquement effacées par mes médicaments de psycho car je suis obligé de prendre mon traitement même s'il m'assomme et que j'ai l'impression qu'avec le lithium je nage dans du moyen gris tout le temps ça a tendance à rendre les choses plus fades mais bon ce traitement je le supporte pas trop mal puisque je n'ai pas d'effets secondaires notables après euh, c'est le qui assomme et en plus ça ouvre l'appétit. Mais bon, on est en 2009 et je n'ai pas pété les plombs depuis 2005 où le psy à tête de communion a fini par m'adresser à une consoeur, toujours à Purpan avec qui ça se passe bien. La copine Bomba s'est enceinte et c'est pour ça qu'avec son mec il s'installe définitivement ici. Du coup, elle peut pas boire. Ça lui va bien la grossesse. Bon, alors mon pote fournisseur me présente le mec pour la musique et il a 10 ans de plus que moi et les cheveux roses. Et il est d'accord de bosser gratis, juste à la recette s'il y, y a et les droits d'auteur si jamais. Et je lui explique qu'on monte le projet à trois avec la vidéaste. Comme là, euh, il bosse sur un festival à la Cinémathèque, c'est l'occasion de faire la fête là-bas. Il y a des concerts le soir. C'est très cosmopolite On, euh, et il y a un très bon conche planteur. On s'entend super bien avec le mec qui doit me faire le son. Et j'apprends que ça fait des lustres qu'il n'a pas touché une femme. Et je trouve ça étonnant. Bon alors hein, innocemment, comme j'ai appris qu'il a un trip euh, sur les sockettes blanches, je tente l'expérience le dernier soir du festival. Je mets ma robe de tyrolienne avec les fameuses euh, sockettes. Fin du chapitre 37. Bonne fin de journée. À bientôt.